Break over. Break over. Yes, 10, 73, 51, 14, bravo Charlie, 33, 01. Et 73, 51 retourné, Santiago 9 de mon côté. Ben, quoi de neuf, c'est de la pluie. Voilà, côté météo, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et bon, là, tout à l'heure, j'étais occupé là sur le forum. Là, je viens juste d'arriver en fréquence. Tu as de la neige mouillée, toi. Alors ça, ah ouais, je demande à voir. Ah oui, de la neige mouillée, moi je connais pas, moi. Alors bon, en tout cas là niveau température, c'est du 11 degrés là ici là de mon côté hein. Donc c'est relativement doux, mais bon, de la plus fine en permanence quoi. Il y a eu beaucoup de pluie hier, il y
saison en une journée ou deux, là. Et ça peut changer radical comme ça le jour des sites, là. Fait qu'on va, c'est qui, on va passer la passée, on a Michel qui est là. Hey Gilles, là, on a de la visite dans ma main, là, ta vie Rémi est sur la passée. Ouais, il revient après, il revient tout à l'heure. Ah, il doit être occupé, il doit être occupé. Ben oui, ben oui. Hey, fait que là, c'est excellent. Oui, on va y arriver, le printemps va arriver, nous autres aussi, là, Rémi. Ça sent rien, le printemps, de notre côté, là. Et tranquillement, pas vite, là, mais on est encore au bout de... On est encore en mars, là, au début de mars. Ici, dans le mois de mars, là, c'est le mois qui est indécis. Il peut faire tempête, il peut geler bien dur. Au verre, il peut faire chez le soleil, puis bien, bien chaud. Que ça monte, puis le lendemain, on peut partir de plus 20, puis le temps va arriver, tu sais. C'est comme ça ici au Québec. Ah oui, je vois ça. Et pour Gilles, il est parti au confessionnal. J'imagine que tu auras traduit, là. Bon, en tout cas, ça me fait bien plaisir là d'être encore un jour de plus en fréquence avec le Québec, hein, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu bizarre en ce moment. C'est on ne sait pas trop dans quel sens ça part. La propague du côté Québec arrive plus tard, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Alors chaque jour en QSO entre la 14 et la 9, c'est toujours un jour de gagné, quoi. Alors, il est 15h40, voilà ici, 3h40 p.m. C'est ça, ça fait que c'est 5 heures de différence présentement, parce qu'on a un an d'avancé, nous autres. Ah, c'est vrai. Vous autres, vous allez faire ça un petit peu plus tard dans le mois, ça va venir un petit peu plus tard, qui va rééquilibrer la différence d'heure entre nos deux là. C'est vrai, tu me l'avais dit que c'était ce week-end le changement d'heure là de votre côté là au Québec. Nous c'est c'est à la fin du mois, le dernier week-end à la fin du mois. Ah ben disons que là là c'est vrai quand il y a 6 heures de décalage là, comme habituellement, le calcul est vite fait pour savoir quelle heure il est chez vous. Bon là ok, bon une heure de moins, bon d'accord, ok, faut s'en souvenir de suite. Mais oui, je me
Ouais, comme quoi, sans t'en rendre compte, t'as fait la grasse matinée d'une heure de plus. Mais bon, tu l'as pas vraiment senti, celle-là. Brésil qui surmodule. Encore les athées qui foutent le bordel. Hop là, de mon côté là, j'étais complètement ou en partie surmodulé par le Brésil, je pense. C'est oui. Bon, il y en a un qui a été se confessionner apparemment, il est de retour. Ah, j'ai pourtant entendu les doubles bips. J'ai un doute. Il y avait pourtant deux bips. Bon, il a dû y retourner, comme cela. Il n'avait pas tout fait, il y retournait. Ouais, ben et là sur la fréquence le 625, là c'est pareil, j'ai été pas mal surmodulé là de mon côté. Hein. Attends, je reviens de suite. Voilà, de retour.
Oh la vache, moi là c'est sur le 625 là que je suis pas mal embêté de mon côté là. C'est ça arrose pas mal là du côté Brésil, je pense. Oui, ça arrive plein pot là de ce côté-là, quoi. Ah ben ça passe presque aussi fort que toi, quoi. Autant dire que là c'est pas évident là pour le QSO. Et puis comme dit Gilles assez souvent, eux, ils sont 365 jours et tous les ans pareil en conteste. Et ils en ont pas marre de contester comme ça sans arrêt à chi trois coups. Mais hey, tu passes juste limite dessus, hein. Ouais, mais j'ai compris ce que tu m'as dit, hein. Mais tu passes juste dessus. Ah, chi. Ah ben ça, oui, je vois ça, ouais. Ah chi. Oui, non, mais là, c'est bon, ça arrive à... Bon, il faut bien tendre l'oreille, mais ça arrive à passer dessus quand même. Bon, alors, Gilles, qu'est-ce qu'il est parti faire, là, ce coup-ci, là? Il a dû tomber dans le trou, comme c'est là. Aïe, aïe, là par contre, là j'ai eu plus de mal à comprendre ce que tu m'as dit. Là, il faudra que je réécoute là parce que c'est un petit peu compliqué là ce coup-ci. Hein. Aïe, 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 aïe. Attends, j'ai cru comprendre Portugal aussi. C'est... aïe, aïe, aïe. Ouais, là, c'est pas évident, là. Là, c'est un QSO caca, là, aujourd'hui. Hein. C'est... ouais, c'est pas top, là. Tiens, oui. Ouais, ben là, oui, ça a baissé aussi. Habituellement, tu me passes à Santiago Neuf. Là, c'est descendu autour de 5, par là, dans ces environs-là. Bon, bref. Bon, s'il n'y avait pas les autres perturbateurs d'air encore, bon, c'est irait, parce que, bon, là, quand même, je pense que, vu comment on les entend, ils doivent nous entendre aussi. Hein. Faut forcer, forcément. Hein. Mais bon... Il faut te pouffer un monde. Chie trois coups, comme s'il n'y avait pas d'autre fréquence. Le 625, il est trop connu aujourd'hui. Du coup, tout le monde vient ici. Quoi. Tout le monde lâche le 555 pour venir sur le 625. Chie. Oui, bien sûr, il y a des jaloux, hein, c'est sûr, oui. Mais bon, ce qui serait bien, c'est que la fréquence, celle-ci, soit que francophone, quoi. C'est, voilà, qu'il y ait un filtre dessus qui laisse passer que les francophones. Ça serait super.
bien d'accord avec toi, Rémi. Bien d'accord avec toi, là. Oui, la fréquence francophone, là, seulement, là. Seulement une fréquence francophone, là. Pour toutes les places, là, toutes les divisions qu'il peut y avoir, là, tu sais, que les Français, ben, puissent se communiquer, là. Ils viennent faire un bon QSO là-dessus, là. Là, c'est super, là. Oui, oui. Et que les autres, ils auraient bon, ben, regarde, la 655, mais c'est une fréquence francophone. Eh oui. Et comme ça, on ne serait pas achalé, puis on pourrait prendre des bons QSO un peu partout, hein. Oui, c'est sûr. Et puis là, vu comment la propague est en train de tourner là de votre côté, là, ce qui serait bien, c'est que Gilles arrive à avoir davantage de monde en Bravo Charlie, en demande d'indicatif et tout là en Bravo Charlie pour étendre après les QSO locaux là de votre côté. Ça serait super, ça. Je comprends ça, ouais. Ben, de toute façon, Gilles, j'attends qu'il m'envoie les renseignements là pour chacun, hein, là que je lui fasse les logos, là les écussons là comme il faut, et puis je lui renvoie aussitôt, quoi. C'est à Gilles là de faire son travail aussi de son côté, de m'envoyer tout ça. Hein. Parce que là, moi, après, là, ça va vite, hein, pour faire ça. Hein. Les logos, là, les écussons, j'ai plus qu'à les remplir et puis à les renseigner, quoi. Et puis en les peser. Hein, après, c'est agile de faire son travail de son côté, quoi. Il faut qu'il m'envoie les infos, quoi. Il faut. Ben oui, dans l'idéal, tu vois, c'est que tout le Québec devienne Bravo Charlie. Enfin, presque tous, quand même. Non, et puis bon, de toute façon, pour les renseignements, c'est facile. Hein. Le QRZDX, le prénom, le QRZ local, le QTH, bon, ben ok, le Québec, suivi de la région ou de la ville. Et puis, si c'est bien suffisant, hein. Voilà, et puis de toute façon, lui, Gilles, il a sur l'ordinateur, il a un document qui remplit là, enfin j'espère, ouais, qui remplit au fur et à mesure, et avec les indicatifs classés par ordre de numéro, et puis comme ça, ça évite d'avoir des doublons, et puis c'est y est, le tour est joué, hein. Thank you.
Ah, ouais, non, c'est encore le... Non, non, j'ai cru qu'il y avait eu un break, mais non. Non, non, c'est encore les autres stations là qui me perturbent un peu les oreilles. Et on n'est plus que tous les deux, là, en ce moment, là. Il se passe quoi? Ils sont où, les autres stations? Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai entendu Christian qui QRT. Bon, ben, j'ai pas eu le temps de lui envoyer le bonjour. Christian, de mon côté, le petit renard, je l'ai entendu qui QRT. Il n'y a pas d'autres stations là, on n'est que tous les deux là dans le QSO. Voilà. Non, je pense que le voix Michel est de retour, j'ai entendu un certain bruit. Et ah. Qui est de retour, mais il n'y avait pas grand monde, il y avait Christian. Il y avait Stéphane qui était très très loin, donc il n'y a pas du tout. On va passer la partie de voix Michel. Et oui, il a fini son petit coin au bureau. Ouais, il avait pas les tours à bureau. Après, ouais, ça. Allez, à toi. Les 73-51, 9 bravo Charlie, 0-24 de 14, bravo Charlie, 33-01. D'accord. Ouais, 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 cette surmodulation. Bon, j'ai ça réussi à passer quand même. Les re 73-51, 9 bravo Charlie, 0-24, à côté de Laval. 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, ce sud-ouest France, dans le secteur de Saint-Émilion. Il y a beaucoup de monde là qui m'arrive là du sud ou du Brésil de ce côté-là, ce qui fait que c'est pas toujours évident là à sortir. C'est la fréquence est très il y a des bouchons là sur la fréquence, il y a des bouchons. Oui. Et puis le prénom c'est Benoît, le prénom est Benoît. Je te salue bien Rémi, je suis de temps en temps tes vidéos que tu fais là, même dans les brocantes là, nous on appelle ça des hamfests là, mais j'ai vu des vidéos là, des brocantes que tu avais visitées là, c'était très intéressant. Je te salue bien Rémi, je te laisse les bons soins de Jean-Luc, et puis je vais être à l'écoute un petit peu de loin, laisse bravo. Ok, merci, 9 bravo Charlie 024. Eh bien, merci là pour le au niveau des vidéos. Alors cette année, par contre, là, cet été, j'y serai pas. Ou alors, si j'y vais, ce sera en touriste. Alors je sais pas, peut-être que je ferai à nouveau une vidéo. J'irai pas pour travailler en tout cas là cette année. Bon, cette année c'est différent. On fait pas toujours ce que l'on veut, quoi. Bon, merci pour le petit contact. Et 73-51 retourné. Et oui, j'ai bien compris Laval, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai peut-être mal prononcé en disant tout à l'heure, mais j'avais bien compris le QTH. Retour sur Jean-Luc. Pour venir te saluer, j'étais à l'arrière, j'étais parti, j'étais sur la fréquence.
J'entends Christian sur le web SDR d'Ottawa. Heureusement qu'il y a ça, parce que là, en direct, là, c'est compliqué. Là. Ah.
Merci, les 73-51 retournés, Gilles, de Rémi, 14, bravo Charlie, 33-01. Et ton confessionnal a bien fonctionné? Tu t'es bien confessé? Tout s'est bien passé? Bon, ben, soit il m'a pas entendu, soit pour le coup, il veut pas répondre. Ouais. Bon, j'ai le Brésil là qui m'arrive plein pot par contre là de mon côté, hein. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident. Hein. Je t'en passe le micro, fais suivre. Ça, c'est le Brésil.
5 Jean-Luc sur la 9. On se voit des bonnes visites, Cédric, à l'hiver chute. Et qui est à l'appelage, et oui, pour une très chaleureuse. Et à l'année prochaine, moi, et Cédric, ça fait plaisir de t'avoir. Ah, c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui hein, pour faire du QSO. Thank you.
Oui, la ville de Waterloo, mais oui, mais oui,
Oh, ça rue 2 de tout le Québec, là, sur la fréquence. Il y a tout le Québec, là, qui est en train de lancer des appels dessus. Hein. Oui, 100% QSL. Alors la station qui a breaké là de la 9 en avant, et désolé pour l'attente, c'est qu'il y a énormément de monde là sur le QSO, plus d'autres QSO parallèles qui viennent camper là ici, alors qu'ils savent très bien que la fréquence est occupée. Enfin bon, bref, passons. Alors les bonnes 113-51, la station de la 9 qui a breaké là, qui m'arrivait à CQRP, de 14, bravo Charlie, 33-01. En avant. Ah, je l'entends plus, Gilles. Je sais pas si Jean-Louis l'a entendu, mais là, Gilles, de mon côté, je l'entends plus. Salutations à Joël, mais oui, 7-3-8-8-5-1, toujours un plaisir de t'entendre.
monde de notre côté, là, comme tu vois, c'est une fréquence qui est très occupée. Et oui, mais oui, on est plein, plein de monde. Tout le monde veut aller sur la 625. Oui, monsieur, c'est une fréquence qui s'est un peu trop, elle peut-être. Chaud, comme je dis, ben oui, elle est comme les Québécois. Elle est chaude. Elle a dit trois choses, ben oui. Alors, c'est excellent. Donc, comment un matin, là, c'est de la neige. Une neige qui, les jeunes, t'es mouillée, là. Elle est très, très humide, très forte à pelleter. On touche pas à ça. Elle va pas. Thank you.
Aïe, 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 aïe. Alors, une dizaine de jours aussi.
Thank you.
Enregistrez le mic. Tout le monde peut pas en dire autant. Hein.
Certains, ça va être un ou deux contacts. Pourtant, avec le nombre qu'on est, on doit faire du bruit sur la fréquence. Ouais, je disais donc qu'avec le bruit qu'on fait sur la fréquence, s'ils ne voient pas qu'il y a du monde dessus, c'est que là, il y a du fait exprès. Hein. Ça arrive très bien aujourd'hui.
bien, hein, parce que c'est bien ce prix, hein, là, on est en vacances, là, de nos cousins, là, c'est triste, hein, c'est très triste. En plus, on avait de la vie, en continu. Voilà, aujourd'hui, oui, la pauvreté, Ok Jean-Louis, il est 73-51. Okay, quand j'aurai un moment, Auguste,
pas facile de l'écouter derrière. En principe, quand on joue du clarifieur, on doit pouvoir s'en sortir. Bravo Charlie 116, ok, d'accord, j'ai compris. Alors c'est très très compliqué de mon côté, les 73, 51 lui, 14 bravo Charlie, 33 01, mais là j'ai entre la moustache de fréquence d'un côté, la surmodulation italienne, brésilienne et tout ce que l'on veut de l'autre côté, c'est vraiment très compliqué à te sortir là aujourd'hui. Donc les 73, 51 retournés du sud-ouest France de la Gironde. Alors ça, je m'y attendais. Moi non plus. Ah, c'est du Santiago 7 de mon côté, toi, ça passe toujours bien. Je te disais donc que moi non plus, hein, je l'ai pas du tout entendu, hein.
Ah, ça a baissé quand même. Oui. Ça a pas mal baissé. Alors, je l'ai deviné sur le Web SDR d'Ottawa, mais c'est tout, pas plus, hein. De là à dire vraiment ce qu'il a dit, je sais pas du tout ce qu'il a pu dire. J'ai aucune idée, mais bon, puisqu'il est là, puisque c'est lui qui est derrière, D7351, retournez à lui. Aïe, 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 aïe. Ah non, d'adieu. Bon Gilles. Ouais, excuse-moi de te couper là. Bon, vu l'heure, vu ce que j'ai à faire là maintenant, vu le merdier que c'est de mon côté sur les ondes, et tu verras ça sur la vidéo, c'est vraiment pas gagné. Je vais passer en QRT demain soir, je bosse en nuit. Donc demain après-midi, je serai pas trop en fréquence. Donc les 73-51 et j'attends les news pour les nouveaux indicatifs, Gilles. Merci Gilles, Dave Bravo Charlie 555, merci pour le QSO, les 73-51 toi et bonne continuité, parce que vu comment elle est la propague, ça va encore, ça va partir sur l'après-midi de ton côté. Oh oui, je le sens bien. Allez les 73-51, l'ensemble du groupe, l'ensemble de l'équipe là sur le 625. J'ai entendu un bout de Belgique. Alors là, ça passe pas. Ah, je l'entends pas non plus. Ouais, j'ai l'Italie ou le Brésil, ou peut-être les deux en même temps. Allez, merci, à plus. Merci beaucoup, à bientôt.
impossible to run anything, even a high-powered radio, by itself, you know. Yeah.
Les 73-51 de la planète Sibi francophone.